Dimanche. Là, c'est moi, heureux, au chaud, avec mes parents et ma petite sœur Rosaline, qui a un drôle de prénom. Mais hier, c'était très différent. Vous voulez savoir comment tout a commencé? Alors tournez la page. Samedi. Ah, j'aime les samedis. Pas de réveil, pas d'école. Mes parents sont sortis faire des courses avec ma sœur et m'ont laissé seule. Je m'installe devant des dessins animés. On sonne à la porte d'entrée. Je vais ouvrir. Il y a deux poulets, là, en face de moi. C'est bien toi, Paul Belin? Veux-tu nous suivre, s'il te plaît? C'est important. Des poulets qui parlent? Jamais vu ça. Je suis curieux. Allons voir. On traverse la ville et nous voilà devant un hangar sinistre. Je ne sais plus si j'ai eu raison de les suivre. On entre dans une grande pièce sombre. J'entends des bruits, des froissements, des chuchotements. Je ne distingue rien de précis. Soudain, la pièce s'éclaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça?